Hello family, hello my people. We are happy to welcome you to our channel. Today's video was a battery day. We went there to buy the cow meat, and as we do, as everything is expensive this day, we can choose 4, 5, 8 people. We decide to buy a cow. We can divide it according to how many we are and how much we have to spend for the cow meat. And as we can see, we are African. We eat the skin, we eat the head, we eat the leg, we eat everything. In this abattoir, we can buy every meat that we like: the cow, the goat, the lamb, the pork, everything are here. Bonjour la famille. Aujourd'hui, c'est le jour de l'abattoir et on est parti chez les fermiers acheter une vache qu'on va diviser avec d'autres personnes. Vous voyez, c'est un conseil, mes amis. Si vous vivez là où chez vous, il y a des fermiers, il y a des abattoirs, veuillez vous collectionner 2, 3, 4, 5 personnes. Vous pouvez acheter une vache et vous divisez la viande selon le nombre que vous êtes. Là-bas, vous aurez une viande à un bon prix et vous aurez presque toutes les parties de la vache. Comme nous, on a des steaks, on a les viandes mélangées avec les os, on a des entrailles, on a des pieds, la viande de la tête, la queue, même la peau. Auparavant, nous à l'Est, moi je viens de l'Est du Congo, là on ne mange pas la peau des animaux. Mais Dieu merci, suite au voyager ici et là dans d'autres provinces, on a découvert qu'on mange aussi de la peau. Et ce sont mes frères Kassaïens, les Balouba, qui m'ont appris comment cuisiner la peau de la vache ou d'une chèvre. Et même les dongo, je ne connais pas. Ce sont mes frères et mes soeurs qui m'avaient appris comment préparer tout ça. Et en tout cas, c'est délicieux, je vous dis. Après l'abattoir, j'étais venue à la maison et j'ai commencé à nettoyer toutes les entrailles, car les entrailles ont beaucoup de saleté, surtout les estomacs ont du sable, les estomacs ainsi que les petits intestins. Vous devez les nettoyer très, très, très bien. Et ce que j'ai fait, je les nettoie et puis je vais les bouillir. Et après, je vais les conserver en état bouilli, car je n'aime pas que ça puisse perdre leur goût, leur saveur. Je nettoie avec du citron. Et comme on avait nettoyé là à l'abattoir, j'ai continué à nettoyer encore ici avant de commencer à bouillir. Et puis mon mari et moi, on commençait à couper la viande en petits morceaux, car j'aime conserver la viande en petits morceaux en une quantité que je peux cuisiner en un coup. Et j'ai commencé à couper. Mon mari était venu du travail, m'a rejoué. Il a dit que j'étais fatigué, il a commencé à m'aider et j'ai coupé et organisé toute la viande, mais je n'ai pas nettoyé la maison car j'étais fatiguée. Le jour de l'abattoir, c'est un grand travail. C'est moi qui étais en train de filmer les peaux, les têtes, et puis j'étais participé aussi au nettoyage des entrailles. Et vraiment, j'étais fatiguée. Mon mari, quand il était venu, là, commencer à m'aider pour qu'on puisse organiser tout ensemble. Et le dimanche matin, c'était le samedi, aujourd'hui donc, aujourd'hui le matin, j'ai décidé de nettoyer toute la maison avant d'aller à l'église. J'étais en retard même à l'église car je devrais tout nettoyer et laisser de l'ordre, car hier je n'avais pas nettoyé peut-être les résidus de la viande et ça qui était tombé. Si je ne pouvais pas le faire aujourd'hui, peut-être la maison pourrait commencer à sentir mauvais, et moi j'ai réussi à le faire.
Et même hier, j'avais un boulot que je devrais faire car les samedis, j'ai des bureaux à nettoyer. Mais je ne les avais pas faits. J'étais partie très tôt le matin pour nettoyer un bureau aujourd'hui. Et après l'église, vers 16h30, je m'étais dirigée pour nettoyer un autre bureau aujourd'hui. Je voulais suivre la vidéo. After my husband came from work, he found that I was very busy and tired. He decided to help me to finish, to cut all this meat in small pieces. And after that, I cut the skin as well in a small piece. And after I organized everything off camera because I was very tired, and I wiped the cardboard and clean everything that I was using off camera because I was very tired. La maison, mais je n'ai pas pu nettoyer car j'étais très très fatiguée. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche, j'ai une heure avant d'aller à l'église. Je me décide de remettre de l'ordre dans cette famille, dans cette maison, très rapidement. J'ai déjà fait quelque chose rapidement, comme ranger les assiettes qui étaient dans la vaisselle, qui étaient éparpillées. J'ai déjà nettoyé ma toilette dans ma chambre. C'est ce que j'ai fait. Torchonner ici et essuyer les salons et voir si on va réussir à tout faire avant d'aller à l'église. Mon mari m'aide déjà à préparer les enfants et moi je vais terminer rapidement.
Thank God I succeed to clean everything that I planned to do today because I got hands from my husband and my kids. My husband helped me to clean the bathroom and to prepare all the kids. And my kids helped me to organize the pillow, clean the couch and the tables. And that makes me happy because everyone participated today. And I succeed to decorate the wall. I put the frame that I have long time ago. The writing says, do what makes yourself better, happy, I think. Yeah. Et merci Dieu, j'ai réussi à faire tout ce que j'ai planifié à faire, car j'ai réussi l'aide de mon mari et mes enfants. Mon mari m'avait aidé à nettoyer les bathrooms de notre chambre et préparer les enfants à aller à l'école, ainsi que mes enfants m'ont aidé à organiser les coussins, nettoyer les tables et ainsi que à lever la poussière si les fauteuils. Et aussi, j'ai réussi à décorer les murs avec les cadres que j'ai depuis longtemps. Do what makes yourself happy. Et j'ai mis là-bas les laxas de gold et blanc. Et j'ai mis un petit plateau que j'ai acheté chez Shein, je pense à 10 $. J'avais acheté des. J'ai mis l'un dans mon douche et l'autre dans ses douches. Je termine. Now it's time to go à church. I already finished to clean everything in here. As you can see, everything is clean everywhere. I don't have to show you the rest, but I cleaned and I organized everything. As you can see, now it's time to go at church. I didn't even have time to put my hair properly because I'm late. And this video gonna end here. Don't forget to subscribe. Don't forget to like. Don't forget to share. La vidéo arrive à sa fin. Je me suis déjà lavé. Je suis prêt à aller à l'église. Je porte une jupe noire et avec ses blouses, avec ses petits sacs. Et mes cheveux, je n'ai pas même eu le temps de les arranger proprement. Mais je fais comme ça à l'église et j'ai tout nettoyé et organisé. C'est mal la viande qui est là-bas dans cette casserole. Je vais organiser ce soir ou le matin, mais je suis contente que la maison est propre. L'église a déjà commencé il y a 30 minutes. Je serai en retard dans les services d'anglais, mais c'est pas grave car je vais participer à l'église dans les services de Swahili. C'est pour cela que je ne m'étais pas tracassée car j'ai dit que je ne peux pas terminer un dimanche sans aller à l'église. On se revoit prochainement pour une autre vidéo. C'est une motivation matinale pour te souvenir, maman, que parfois, il ne faut aller à l'église en laissant la maison en bazar. Même Dieu ne veut pas ça. Même Dieu ne veut pas ça, mes chers amis. Ok, on se revoit prochainement. Bye, je vous aime. Gros bisous et à la prochaine occasion. Bye.